Déjà, c'est un tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui, jeudi 28 juin, pour nous capables de présenter avant dernier sortie journal là pour semaine. Déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sous télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui abdominent l'actualité. L'église catholique célébrée mercredi 27 juin 2018, là, Notre-Dame perpétuelle secours. Une date qui marque tout 75e anniversaire consécration pays d'Haïti à Vierge Notre-Dame du perpétuel secours. Examen baccalauréat session ordinaire aboutant jeudi sur tout territoire national là. Pour quatrième journée et dernière journée, candidat yo a bien pour capable proposer dans physique et espagnol. C'est jeudi à premier ministre paysan Jacques Guélas Fontaine a dû descendre dans parlement haïtien pour capable participer dans séance interpellation sous demande d'un groupe 16 députés. Plusieurs organisations by opinion yo sous séance interpellation c'est là. Et puis à l'étranger, président russe Vladimir Poutine a gagné pour être capable de chita parler à Tokay américain Donald Trump. C'est Kremlin qui annonce nouvelle là. Cependant, pour qu'on gagne ni date ni côté, sommet ça a gagné pour être capable de dérouler. C'est pour ça que Claude n'a bien pour être capable de développer pour un journal aujourd'hui à la petite pause. Pas déplacé, n'a tourné tout à l'heure. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour développement information. Barrage construction, travail à construction barrage à Marion avancé à grands pas. Plusieurs techniciens à travailler la journée pour la nuit dans l'idée pour capable finir à travailler avant longtemps. En nous suivant un reportage avec Richardson Jourdan et puis Laurent Darly Jean-Jacques. C'est plusieurs techniciens qui ben ak haïtien qui mobilisé dans cadre travail barrage ça k'ap fait dans localité Marion pour qu'on y a travail au plus concentré dans digue là ak béton k'ap couler dans canal là ça qui pral permettre technicien yo installer gros tuyaux qui pral faciliter paysans joindre de l'eau pour arroser jardin et puis permettre population gain accès à courant électrique. On y a là n'a préparé gain trois parties essentielles dans barrage là qui c'est dende yong nan et puis Oblat de Thomas et Alluvial de Loa. Là nous dans Oblat de Thomas côté que n'a préparé béton de propreté pour nous capable mettre turbine qui va produire électricité et puis qui va servir pour irrigation pour planter capable irriguer culture que on fait dans zone là. C'est pas seulement monde dans localité Marion, section communale Grand Bassin, commune Terrier Rouge qui a bénéficié travail ça à travers barrage là. D'après quelques techniciens qui t'ont tout montré l'importance du barrage Marion pour le département Nord-Est. Pour le capable là, il y a un bel travail qui a fait. Et on n'a pas avancé à grand pas. On commence à satisfaire parce que regardez le canal, regardez là, c'est le béton qui a coulé là-dedans. N'a pas avancé. En l'air, c'est digue qui a préparé. Là, nous avons quitté Fal Dentioun, nous sommes noir au central de l'argile et actuellement là, nous presque intégré à ce clan là. C'est 1er mai 2018 là, président République là, Jovenel Moïse, t'a lancé officiellement travail construction barrage Marion. Ministère environnement va poursuivre hier mercredi 27 juin 2018 là, un atelier information sur comment pays d'Haïti capable gain accès à programme fonds vert climat. Activité ça été occasion pour participants discuter, garder ensemble éléments clés programme là, opportunité financement fonds vert pour climat pour pays d'Haïti à travers réalisation différents projets cap aider pays à gommer contre changement climatique là. Gain on voulait attention qui gain la donne moyen transport cap réduit émission gaz à effet serre yo ak yo l'autre volet adaptation cap aider mettre en place infrastructure cap résister ak changement climatique là. Ministre Kilti à communication Guilherme C. Delva annonce yon ensemble disposition ak mezi autorité dans l'état yo a bien pour prendre pour faire nettoyage dans diverses zones dans Port-au-Prince.
ministre Joseph Guilherme Delva qui t'a intervenu dans le cadre d'une conférence spéciale dans le ministère de la communication mardi 26 juin passé, invité tout secteur et citoyens pour te coller dans la bataille de l'État à mener pour capable que Belaria propre. À nous suivre. Pour l'Ouest, là, particulièrement, bon, là, j'ai besoin de dire, l'Ouest m'a dit Port-au-Prince, capitale là même, pour avoir un mouvement, bon, pour te bourrer, que vous faites là avant longtemps, pour essayer de nettoyer Port-au-Prince, et pour assurer tout que, d'adieu, il faut ça, les continuer, non, mettez un ensemble de mesures qui va permettre que le monde ne parle pas de Fatka n'importe qui, gens, et je suppose que les sanctions tout qui prend et mairie a un rôle important pour jouer dans ça et parce que le président de la République, le premier ministre Jacques Lafontaine avec le gouvernement voulait travailler avec la collectivité territoriale. Donc, gagner arrêté au point de jouer un commissaire, pardon, magistrat qui pour le prendre et arrêté qui a pris l'autre mesure qu'il prend pour assurer que le monde pas jeté fatra. Le qu'un beau jeté fatra dans une série de côté par gain droit jeter ou gagne des sanctions des amendes pour pas le payer ou quand même prendre prison ça dépend donc c'est le ça pral dissuader moun parce que si que capital la salle c'est pas capital la qui était le sale pour col c'est nous mêmes citoyens cap sale li log en fatra ou doit quitter doit dans l'autre pays mais pour qu'il soit l'autre pays pas sale ou pas fatra dans la rue et m'a dit ça pour nous mêmes en copier ça. C'est bon, si vous voulez nous copier, on copie ça. On copie. Fatra ou Kembel Lakayou. Vous mettez le coin ou Kembel Lakayou. Quand vous avez annoncé, machine a passé tel, l'autre des cloches là, a sonné, et puis les sortis dehors ou pour des Fatra, et puis vous avez pris Fatra. Nous prenons la question examen l'État, puisque nous avons annoncé ça dans le grand titre. Examen baccalauréat, c'est sur ordinaire, il y aura poursuivre sur tout le pays d'Haïti, hier mercredi, et il y a jeudi, jeudi. Pour troisième journée, un candidat est composé dans mathématiques et anglais. Responsable centre examen lycée national à Pétionville, David Maurice, expliqué depuis déroulement examen jusqu'à hier mercredi 27 juin, il n'y a pas enregistré aucun cas d'irrégularité. En nous suivant extrait, reportage, c'est quoi pas qui, Fresnel Toussaint. Pour troisième jour, examen baccalauréat, session ordinaire, candidat a été composé dans mathématiques et anglais. Responsable centre examen lycée national Pétionville, professeur David Maurice, expliquait jusqu'à date, il n'y a pas gagné aucun cas d'irrégularité. Élèves ont subi épreuve sans difficulté. À la base, nous avons fait passer en pile consigne. Quand les gens ont respecté les consignes, que grand pile suivant des général qui passait, au capable son centre qui a fonctionné très bien. Tout le monde est très calme. Nous, dans la période côté élèves ont commencé à remettre, nous pendant quelques minutes encore. C'est la fin pour les mathématiques. Quel candidat dans le lycée national Pétionville à collège J.B. Albert fait connaître examen ont été à la portée pendant qu'il était quoi, il a déjà réussi. Si je compose sur 1000, je gagne 800 là moi-même comme ça. Mais après ça, ça m'a été comme embarrassé. Je bien composé dans salle de là, même pas pour l'autre monde comment composer. Mais moi m'ai bien composé. J'étais bien composé parce que je devais pas rester dans le faire, nous t'attendre comme ça pour de tomber tout. So, ça nous gêne nous faire. Simplement, nous ne pas de nous avec téléphone, nous ne pas aller pour, mais nous bien passé. Pour moi-même, même par contre pour Ressio, ça que bon côté, nous bien passé tout. C'est environ 54 000 candidats qui ont participé dans l'examen baccalauréat session ordinaire à Nessa, qui démarre lundi 25 juin, qui bout jeudi 26 juin. Toujours dans le dossier et examen l'État. Pendant la troisième journée, examen ça, nous disons que les élèves ont été composés dans mathématiques et anglais. Une équipe à la télévision nationale d'Haïti a rencontré plusieurs candidats sous la chaîne Massa Port-au-Prince. Candidats ont exprimé point de vue sur qui ils ont été composés. En nous suivant le reportage, John Ebi Kassimis, Henri Robert Chéris. Sous la chaîne plus précisément devant l'école nationale Caroline Chauveau, il y a un groupe élèves réunis. Ça cap bay blague, ça cap compare résultat exercice au soit expliquer comment troisième journée examen était pour yo. Pour yon catégorie candidat, examen était facile. Texte te correspond à programme te suivre pendant toute année scolaire. Nous tout bien composé, dans salle matière nous tout bien passé parce que si bien était vraiment serré.
mais au frère Messi et bah il était passé bien, tout bah était passé bien. Si pour un groupe journée a été bien passé, pour une autre catégorie épreuve était difficile en pile. Yo fait connait si veillant yo pas ba temps pour te composer. Reproche que m'a fait c'est que examen mathématique il toujours demandé temps pour yo bailler, pour yo faire. D'ailleurs nous pas un examen à l'heure parce que horaire c'est 8h jusqu'à midi, je crois. Yo pas ba nous examen dans 8h. Assurément, on va nous examiner à 9h. Regardez quel lieu où on a ramassé un examen à nous. À quel lieu on a gagné temps pour nous qu'on a fini préparer examen normalement. Et surtout, nous devons réfléchir bien pour nous faire examen. Malgré les difficultés et les dures rencontrées, candidat a été quoi? Il a pu bien composé dans la dernière journée, 28 juin cap vini là. Nous avons dit que dans grand titre, l'Église catholique a célébré hier mercredi 27 juin 2018, la 75e anniversaire consécration pays d'Haïti à Notre-Dame Perpétuel Secours. C'est dans l'année 1942, l'Église catholique a été consacré pays d'Haïti à Notre-Dame Perpétuel Secours après miracle qui était fait par rapport à maladie petite vérole, les mêmes qui a ravagé la population et bien guéri. Ça qui était fait, et bien l'Église catholique te consacré pays à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Anne-Marguerite Auguste, Moïse Oubrich a présenté un reportage. 75 l'année célébration, ça a été occasion pour Père Franzi Petit Homme rappeler dans quelles circonstances l'Église catholique est arrivée consacrée date ça à Notre-Dame Perpétuel Secours. Li expliqué en février 1842, population haïtienne tap souffri en bayou maladie qui te rele petite virole. Malgré intervention autorité PIA, aucune guérison pas possible. C'est dans même date ça, icône Notre-Dame Perpétuel Secours a te fait apparition dans Belay après un gros lapli dans Asroué côté toute malade petite virole yo te levé guéri d'après PIA. PIA li sous couverture maman Perpétuel Secours qui sont maman qui kemon petit qui même qui montre que ti monde pas besoin peur, Haïti pas besoin peur, ba rien doit paraître compliqué, mais avec secours maman Perpétuel n'a toujours rivé sorti dans ça que nous y est. 1882, 5 février 1882, pays a été malade d'une maladie qu'on appelle petite virole qui t'a ravagé Haïti, et étonnamment et miraculeusement par la bénédiction de Port-au-Prince avec l'icône Notre-Dame du Perpétuel Secours, malan li vin éradiqué. Évidemment, ça a marqué le temps et l'histoire. Ça qui fait que 60 ans plus tard, en 1942, président Lesco, avant que l'été fêté, fête ça, il t'a demandé pour que l'État t'a demandé pour que le pays a consacré à Maman Perpétuel. Il y a des documents même qui écrit sous ça. Il y a un moniteur qui parle sous ça. Les timbres d'Haïti, à cette époque, ils ont été faits à l'effigie de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et il y a un moniteur même jusqu'à présent que nous avons qui marque date. Ça, il y a une pierre également qui est placée au niveau du palais national qui marquait que ce pays est officiellement consacré à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Épidémie petite virole là, te rend la vie population haïtienne difficile en pile. Ça qui était la cause, chaque monde te prend distance par rapport à yon lot pour empêcher li trapper maladie ya. Dans l'occasion 75e anniversaire ça, Père Franzi Petit Homme fait konnen li nécessaire pour tout secteur mette tête yo ensemble pour combattre division qu'a ronge société ya jounen jodi ya. Nous pas gen petite virole directement, mais nous gen des maladies, des maux qui beaucoup terribles. Yon nan maladie qui plus terrible, c'est la division. Division dans différentes couches société ya. Qui permettent que nous pas 40 ans, nous, son maladie qui est plus terrible que petite virole. Et c'est une occasion qui est présentée pour nous la prier, pour demander bon Dieu pour nous retirer et verrette petite virole de division, ça, pour que Haïtiens arrivent à nous, pour nous faire payer ensemble. Commémoration 75e consécration Notre-Dame Perpétuel Secours à pays d'Haïti, c'est occasion pour fidèles catholiques yo di yon l'autre fois. Merci pour gros miracle ça li té opéré dans la vie peuple haïtien et puis renouveler attachement yo ak engagement yo pour être fidèle dans route bon Dieu tracé pour yo. Parti politique rassemblé pour sauver la caille qui gagne pour siga parasol félicité à hier mercredi 27 juin administration Moïse là à gouvernement Lafontaine pour travail il y a réalisé pour changer situation socio-économique population. Président parasol là Yvon Bonhomme rete quoi pays a doit continuer gagner stabilité pour capable rete sur route développement. Yvon Bonhomme maintenant micro Midrella Milias ak Moïse Oubrich. Le parlement li reconnaît que avec groupe minorité ou majorité puis interpellé
mais nous dit que c'est dans un mauvais contexte. Dans un mauvais contexte, côté que ça a fait de commun accord, des groupes politiques qui ont même population enregistrée, pas capable de résultat dans l'élection, aucun côté, et bien, ils ont cherché des brèches qui ont gagné dans le Parlement, donc ils ont même capable de créer instabilité. Dieu soit loué, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, il a une majorité. Au nom de même démocratie, ça a une majorité qui est confortable ensemble avec lui. Et nous-mêmes, nous avons continué la bataille pour stabilité. Mounsa, aujourd'hui, même qui a dit misère, nous avons dit population haïtienne, notre dernière année qui s'est offert, c'est eux-mêmes chaque mois de décembre qui va arriver, il y a un calendrier de manifestation pour tous les entrer dans le pays. Même Mounsa, qui a dit en Haïti, c'est eux-mêmes qui ont couru des investisseurs. C'est eux qui ont crasé tout le job qui est dans le factory. Et depuis, il y a un pays pour en route la paix. Pour une stabilité, et bien, il a fait complot. Il a fait complot pour écraser Haïti et puis pour dormir en République Dominicaine chaque vendredi. Toujours dans le même dossier, c'est là plusieurs organisations qui prochent parti haïtien tête cadre PHTK annoncé il y a présent devant local à Palma haïtien sous bicentenaire jeudi 28 juin dans l'idée pour capable manifester solidarité yo à premier ministre paysan Jacques-Guy Lafontaine. Organisation ça yo dit il y a réalisé sitting ici là dans moment premier ministre a gagné pour les capable répondre dans séance interpellation député yo. Yon extrait nan miko Rodney Doléan ak Hervé Pierre. Nous constatons depuis semaine nan ki commence ya, pendant que peuple haïtien nan mondial y'a fêté, y'a chauffé équipe yo, et puis nèg yo profiter de mondial la ki préoccupé peuple haïtien an, pour que yo manigance yon complot contre nation. Nous même nous c'est des nèg qui habitué participer dans toute bataille pour mettre Haïti sous rail, nous dit nous prend la rue pour nous passer, pour nous voyons un message clair bay peuple haïtien après-midi pour nous dire slogan c'est pendant la mondial veillez pour nous veiller sous pays a parce que mondial la braler pays a prêté. Demain si Dieu veut, c'est peuple la cap camper. Pour nous aller devant parlement pour nous dire nèg yo nous dehors. Attention n'attend yo. Ouais. Association indien haïtien commémoré dimanche 24 juin passé à 4e édition journée internationale yoga. Activité ça permet à plusieurs personnalités parmi yo quelques étrangers réunis ensemble pour capable méditer et puis pratiquer yoga. Dans l'occasion, l'autre massacre, un professeur yoga Haïti explique l'importance pratique ça qu'a joué dans la vie yon moun. Puis loin, quelques autres professeurs qui étaient présents dans l'activité si là exprimer contentement yon sous façon yoga a évolué par bon ici. En nous suivant extrait dans micro Hortelo Marie Dieudonné à Critchy de Gerville. Est-ce que c'est que le yoga c'est quelque chose qui apporte la santé du corps? L'équilibre physique et le mental, la balance, vous voyez, alors, et ensuite la paix mondiale, l'amour universel, la fraternité, c'est ça le yoga. Gapa tellement, toi répondu en Haïti, mais de plus en plus, il y a des gens qui ont besoin d'informations. Ils viennent faire une expérience, et par exemple, dans le cas moi, ils viennent faire une expérience au premier jour, ils remèlent et puis ils retournent. Après ça, ça vient en discipline dans le cas, parce que ils viennent voir tous les bénéfices qu'ils ont joints dans le yoga. Donc, il est très intéressant et puis, on ne parle avec l'autre monde ou bien, ouais, soit faire, il y a des gens qui ont fait comme tu as remis tout, et parce que tu es en forme. Donc, c'est comme ça que les vins répondent et puis chaque année, on ouais, plus adeptes de yoga. Les yoga, on ne le sent pas, on le fait. On le sent à l'intérieur. C'est la yoga de la conscience, en Kundalini yoga spécialement. Et qui amène beaucoup de bénéfices dans le corps, la mente et l'esprit. C'est là nous fermons le chapitre local, nous prêts à aller l'autre bout de l'eau. Europe doit affronter le problème migratoire qui est capable de décider sous demain. Union européenne, ces déclarations chancelier allemand Angela Merkel lui-même lui fait et intervention ça avant la participation li dans ce sommet Europe là qui est pour capable dérouler dans ville Bruxelles annonce.
C'est une Angela Merkel fragilisée mais droite dans ses bottes qui s'est adressée au Bundestag avant son départ pour le sommet européen de Bruxelles. Pour la chancelière allemande, l'Europe doit surmonter ses divisions pour trouver des solutions à la crise migratoire, faute de quoi elle pourrait ne pas s'en remettre. L'Europe doit faire face à beaucoup de défis. Mais la question migratoire pourrait décider du destin de l'Union européenne. Soit nous trouvons une solution de manière à ce qu'en Afrique et au-delà, les gens aient le sentiment que nous sommes guidés par des valeurs et que nous prônons le multilatéralisme et non l'unilatéralisme, soit plus personne ne croira à nos valeurs, celles qui nous ont rendus si forts. Et c'est pour cela que l'enjeu est immense. Niemand wird mehr an unser Wertesystem glauben, das uns so stark gemacht hat, und deshalb geht es um vieles. Herzlichen Dank. Ce sommet risque pourtant de donner lieu à un dialogue de sourds entre les pays en première ligne comme l'Italie qui veulent en finir avec le système de Dublin et ceux comme la Hongrie qui refuse toute répartition des demandeurs d'asile. Kremlin annonce hier mercredi un sommet qui a bien pour les capables réaliser entre pays la Russie et pays États-Unis. Président Ruslan Vladimir Poutine a l'abgayé pour les capables de chita parler avec Tokay américain Donald Trump. Cependant, il n'y a pas fixé date ni by qui bon sommet ça gagné pour les capables réaliser. Euronews a dit nous plus. C'est un pays tiers qui accueillera le premier sommet entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump. Une première rencontre bilatérale annoncée ce mercredi par le Kremlin à l'issue d'une visite à Moscou du conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton. Il faut malheureusement constater que les relations russo-américaines ne sont pas au meilleur de leur forme. Je l'ai déjà dit en public à plusieurs reprises et je le répète, cela résulte de luttes politiques internes aux États-Unis. Mais votre visite à Moscou nous laisse espérer que nous ferons les premiers pas pour établir des relations complètes entre la Russie et les États-Unis. Même par le passé, lorsque nos pays ont eu des divergences, nos dirigeants et leurs conseillers se sont rencontrés. Je pense que c'était une bonne chose pour les deux pays et pour la stabilité dans le monde. Et le président Trump est très attaché à cela. À l'issue de ce sommet, dont la date et le lieu seront connus ce jeudi, une déclaration commune devrait fixer les prochaines étapes de ce réchauffement diplomatique entre Washington et Moscou, selon le Kremlin. Jusqu'à présent, Donald Trump n'avait rencontré Vladimir Poutine qu'en marge de réunions internationales. Texte Donald Trump qui mandait un allègement dans la politique migratoire américaine pas arrivé passer dans le Congrès américain. Moitié et les républicains ont voté contre texte cela. À nous suivre. Le texte de compromis de Trump sur l'immigration ne passe pas. Malgré les demandes du président américain, la moitié des élus républicains a voté contre ce texte, élaboré après la polémique sur les enfants de migrants séparés de leur famille. Aucun démocrate, comme prévu, n'a voté pour le texte. Pas question de voter une réforme si mal fagotée pour cet élu républicain. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une minorité de républicains rejoindre les démocrates et doubler le vote de rejet d'un système d'immigration raté, inefficace, injuste et parfois cruel. Beaucoup de républicains ont voté contre le texte simplement parce qu'ils ne le trouvaient pas assez dur. D'autres auraient souhaité une loi se concentrant uniquement sur la question de la séparation des familles. En Californie, un tribunal a ordonné dans la nuit de mardi à mercredi la réunification de ces familles de migrants dont les enfants avaient été séparés de leurs parents, arrêtés à la frontière. La vaste réforme de l'immigration de Donald Trump, qui doit mettre en pratique la tolérance zéro qui lui est chère, comprend aussi le financement du mur à la frontière mexicaine. Une solution pour les Dreamers, ces jeunes arrivés sans papier aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants, et une nette réduction de l'immigration légale. Et c'est là que nous allons arriver dans le bout de l'île avant que nous allions permettre que nous rappelions le grand point qui a dominé l'actualité.
L'Église catholique a célébré mercredi 27 juin 2018 la 75e anniversaire consécration pays d'Haïti à Notre-Dame perpétuelle secours. Examen baccalauréat session ordinaire aboutant jeudi sur tout territoire national là. Pour dernier journée, candidat yo a gagné pour capable composer dans physique et espagnol. C'est jeudi à premier ministre paysan Jacques Guy Lafontaine a gagné pour capable descendre dans parlement haïtien particulièrement au niveau de chambre basse là pour capable participer dans séance interpellation sous demande d'un groupe 16 députés plusieurs organisations by opinion yo sous séance interpellation c'est là. Et puis à l'étranger, président russe Vladimir Poutine a bien pour capable chita parler à Tokay américaine Donald Trump. C'est Kremlin qui annonce nouvelle si là. Cependant, ni date ni côté sommet ça a bien pour capable organiser pour dévoiler. C'est point ça à quelques nous te porter pour dans journal là, c'est un plaisir pour capable informer vous. L'équipe sportive là à présent avec nous déjà dans studio de à 10h pour capable porter pour nous match Japon contre la Pologne et puis Sénégal contre Colombie avec Jérôme Pierre et Steven Zedoné et puis Dominique Fisner, c'est ou même c'est première équipe ça qui a porté deux premiers matchs pour nous et puis vers 2h a gagné Angleterre Belgique Tunisie et Tunisie, Panama, Guy Petit Frère, Rudy et Rivo, Webens, Presimé, yon même qui a gagné pour capable porter deux derniers matchs pour nous, pour capable connaître quatre dernières équipes qui pourra jouer déjà 12 qualifiés, yon, qui c'est Uruguay, Portugal, la France, Argentine, Brésil qui joue une qualification hier, Mexique, avec Mexique, Espagne, la Russie, Croatie, Danemark, Suède, et puis la Suisse, équipe ça qui déjà qualifié pour 8e de finale Coupe du Monde en football qui a déroulé dans le pays la Russie. Bonjour à tout le monde, nous sommes ensemble avec vous. Bon jeudi, nous avons rendez-vous pour l'autre journal matin, demain vendredi.